بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter de certaines vérités relatives au mauvais destin des mécréants. Surtout, c'est très évident ici, en fin du chapitre, à la fin du chapitre, As-Safet, c'est-à-dire les planeurs en rang, en rangée. As-Safet. فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء الصباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. إذن toujours la même faute, la même impolitesse vis-à-vis de la mission divine. Toujours, tout au long de l'histoire, les gens ne veulent pas mettre en exergue une vérité que à chaque fois où il y a une rébellion, il y a toujours un courroux divin qui s'abat et anéantit les rebelles. Donc ici il dit, qu'est-ce qu'il dit Dieu? C'est-à-dire, ils ont nié, ils ont rejeté, ils ont persévéré dans leur mécréance. Ils refusent la mission parce qu'elle est, elle émane de Dieu. C'est pour ça qu'ils refusent ça, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un Dieu qui est l'observateur avec un grand E et qui est le maître et qui est aussi le justicier. C'est-à-dire ils auront un jour ou l'autre une mauvaise surprise de par la mauvaise fin, c'est-à-dire ici-bas et bâtiment éternel. Donc, Ya'lamun, ça intéresse ici-bas et l'au-delà. C'est-à-dire ils seront devant le fait accompli, c'est-à-dire ce que leur rébellion leur prépare, elle leur prépare une fin tragique. Dieu il insiste sur qu'il y a un caractère répétitif de la mission céleste. Toujours le même rappel, le même appel, mais il y a toujours le même refus. Et Dieu toujours il donne sa parole à ses messagers et ceux qui ont suivi ces messagers illustrent que la paix d'Allah soit sur eux. Voilà quand ça m'a dit c'est-à-dire ils ont été envoyés par Dieu, c'est pas de leur propre chef, ils viennent se présenter en tant que messager, mais vraiment ils sont des envoyés, que la paix d'Allah soit sur eux. C'est-à-dire Dieu toujours il dit que la victoire et le secours divin sera leur lot. Et quelle victoire et quel triomphe. Et moi je me pose la question, pourquoi les historiens qui se respectent ne mentionnent jamais ces vérités-là qui ne cessent de se répéter? Donc il n'y a pas des vrais historiens en général, sauf quelque part chez les chrétiens et un peu chez les juifs, mais c'est uniquement limité à leur histoire, d'après leur comment dirais-je, leur mensonge. Voilà, donc c'est une allégation qui n'a pas de sens strict et sens, comment dirais-je, complet. Voilà, là, ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. C'est-à-dire que le camp CAMP des intègres
des vrais croyants, des rives soumis à Dieu et des murs sénines, ils ont toujours en fin de course une victoire assurée par Dieu. Donc c'est quelque chose de certain, sûr et certain. C'est-à-dire ils auront la mort. Ils seront victorieux et triomphants pour de bon. Et Dieu, dit au prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, à Mohammed, le bien-aimé numéro un de Dieu, il lui dit, c'est-à-dire il le conseille, ou bien il lui ordonne. Donc, ne t'intéresse plus à ces gens-là, pour un certain laps de temps, et ils auront leur, leur châtiment. Et observe bien ces gens-là, leur état actuel et le futur. Ce sera diamétralement opposé. Donc c'est Dieu qui parle, c'est très sérieux, parce que ce qui émane de Dieu, c'est la pure vérité. Donc Dieu honore ses paroles. Il n'y a jamais eu une, un petit recul ou une petite déviation ou un petit, retour. Jamais d'avis. Là, la parole divine, elle est réalisée comme elle a été prononcée. Donc, وَإِنَّ جُنْدَنَا هُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. Et comment ils se permettent de demander l'acte de ce chacun-là? فَبِعَذَابِنَا, c'est-à-dire cette peur de l'heure, elle va être vécu par ces gens-là, par ces malheureux, ces minables-là. C'est-à-dire, ce châtiment-là, lorsqu'il s'abat sur eux, c'en est fini avec ces gens-là. Ça va avoir un retournement de situation. Ils vont le payer chèrement. Et puis, Dieu insiste sur le mauvais réveil, mauvais réveil catastrophique, que ce soit sur le plan nictémain ou que ce soit sur le plan de leur insouciance et leur inconscience. Donc, ils se réveillent trop tard. Et on a à maintes reprises insisté sur le caractère retardataire de ce genre-là. On a vu, et Dieu insiste sur ça, il le répète, parce que c'est très fort en douleur. Et Dieu leur retire toute dignité. Et leur, aucun profit, aucun intérêt ne peut être réalisé après cette nanoseconde-là. Subhanallah, wa absalam, subhanallah, subhanallah, qui va t'attendre à ce qui a été promis par Dieu. Subhanallah, tu vas le voir. Tu seras un témoin oculaire sûrement. Subhanallah, Dieu il est au-dessus de tout ce qu'ils disent comme mauvaise caractéristique. Et Dieu il dit toujours pour les gens qui ont été envoyés par Dieu, ils sont toujours en sécurité et en paix. Walhamdulillah Rabbil Alamin, et toute la gloire et toute l'adoration et tous les remerciements appartiennent à Dieu de tous les univers.